وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد نواصل دروسنا ونرحب بكم في هذا المسجد المبارك ونواصل دروسنا على باب التذكير والتناصح والموعظة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من مستفيدين هذه الدروس وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. Donc, inshallah, mes frères, on va reprendre la continuité des cours sur le jour dernier, inshallah, tabarak wa ta'ala. Et nous avions rappelé la semaine dernière plusieurs choses importantes. Plusieurs événements importants, événements desquels nous sommes tous concernés directement puisque nous les vivrons et nous les verrons de nos propres yeux. Nous avions parlé notamment d'un premier souffle dans la trompe lorsque Israfil alayhi salam sera ordonné de souffler dans la trompe. Alors, l'ensemble des serviteurs qui seront sur la surface de la terre périront, seront foudroyés d'un foudroiement qui ne laissera personne. À la suite de ceci, il y aura 40 jours, 40 ans, 40 mois. Abu Huraira n'a pas voulu se prononcer par rapport à ceci. Il a rapporté 40. Entre les deux souffles, il y aura 40. Au bout de 40, il y aura un deuxième souffle dans la trompe qui aura pour effet de faire sortir tous ceux qui sont dans le sein de la terre, ils sortiront de leur tombe et ils se dirigeront vers celui qui appellera les gens à venir se présenter devant Al-Malik Al-Allam, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nous avions parlé de tout ceci, nous avions évoqué beaucoup de détails par rapport à ceci, Inch'Allah. Je vous enjoins à reprendre les cours précédents qui seront bientôt mis, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala, sur le site de l'Institut Soudan, Charles. À la suite de ceci, nous avions dit que les gens sortiront humiliés, avilis, le premier rapport tête baissée, puis Allah dit à cet effet, tabaraka wa ta'ala, yawma yakhrujuna min al-ajdas, et lorsqu'ils sortiront des tombes, ka'annahum jaradun muntashir, comparable à des sauterelles qui se dispersent à droite et à gauche. Donc ceci nous prouve quoi? La vitesse de leur sortie. Ils se dirigeront vers la voie, ils seront tristes, remplis de crainte et remplis de soucis. Aussi Allah dit tabaraka wa ta'ala, fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila shay'in nukur. Et détourne-toi d'eux le jour où l'appeleur appellera, et nous avions dit que c'était l'ange, il a shay'in nukur, vers une chose horrible et désagréable. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala, qalu man ba'athana min marqadina. Et ils diront ce jour-là, malheur à nous, quel est celui qui nous a fait sortir de notre lieu de repos, c'est-à-dire de la tombe dans laquelle ils étaient. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala, à cet effet, donnant beaucoup de détails concernant la façon dont seront les gens à ce moment-là, lorsqu'ils sortiront des tombes et se dirigeront vers ce qu'on appelle l'Ard al-Mahshar, c'est-à-dire le lieu du rassemblement où ils devront comparaître et répondre de leurs actes. Allah dit tabaraka wa ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلٌ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُهْتِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسَهُمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَى. Ne pense pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit insouciant à ce que font les injustes
jusqu'à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils courront, sortant de leur tombe, levant la tête, les yeux hagards et les cœurs vides. Alors, levant la tête, ici bien sûr, vous avez expliqué la semaine dernière que les gens, lorsqu'ils sortiront des tombes, ils auront la tête baissée, humiliée. Or ici, à travers ces versets coraniques, Allah nous informe qu'ils auront la tête levée. Comment expliquer ceci et cela? Tout simplement, c'est que lorsqu'ils sortiront des tombes, ils seront humiliés, remplis de crainte, leur cœur rempli de crainte. Et à un moment donné, Allah tabaraka wa ta'ala va forcer leur tête à regarder devant eux, afin qu'ils voient la réalité des choses. À ce moment-là, le soleil va se rapprocher des serviteurs, comme ceci était rapporté dans le hadith de l'Mughdal ibn al-Aswad, où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Tudni shamsu yawm al-qiyamati min al-khalqi hatta takuna minhum ka miqdari mil. Le soleil se rapprochera des serviteurs ce jour-là, jusqu'à ce qu'il soit proche des serviteurs à une distance de 1000. Un 1000, c'est quoi? Comme l'a dit Salim ibn Amir, il a dit, Wallah, je ne sais pas qu'est-ce qu'Allah a voulu dire ou qu'est-ce que le prophète a voulu dire par 1000. Est-ce que c'est cette distance qui est connue, elle 1000, ou alors c'est elle 1000, c'est le petit bâton par lequel on, c'est-à-dire on pose le kohol sur les yeux. Donc c'est une distance infime. Sinon le 1000, la distance d'un 1000 correspond à peu près à 1,8 km. À peu près. Chez les Malikiya ou Al-Hanifiya et chez les Hanabila ou Al-Shafi'iya, elle est à 3,74 km. Quoi qu'il en soit, que ce soit ceci ou cela, le soleil se rapprochera à une distance très proche des serviteurs. فيكون الناس على قدر أعمالهم من العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى كتفيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه أو يلجمه العرق الجامع. C'est-à-dire, certaines personnes seront noyées dans leur sueur à cause de cette chaleur, selon la nature de leurs actes qu'ils auront accomplis dans cette vie-là, en bien ou en mal. Ils seront noyés dans cette sueur à hauteur des chevilles, à hauteur des genoux, jusqu'à ce que même que cette sueur atteigne leur bouche et qu'au final, ils ne peuvent plus parler. Ce hadith était rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, le jour où les gens comparaîtront devant le Seigneur de l'univers, et il dira, قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. Le jour où l'un d'entre eux comparaîtra et sa sueur arrivera à ses oreilles. Hadith rapporté par Al-Bukhari d'après la version de Ibn Umar. Donc les gens seront dans une attente terrible, très longue, insupportable, interminable. Et cette attente-là, elle sera longue, mais elle sera aussi préjudiciable pour les créatures, puisque les gens ne sauront pas au final quel sort leur sera réservé. Non. Ou bien dans les délices du paradis, ou bien dans les profondeurs du feu de l'enfer. Alors cette attente, elle sera interminable. Et elle sera très très longue. Jusqu'à ce que les gens iront voir les prophètes. Ils reconnaîtront ce jour-là la valeur des prophètes. Chose, notamment pour les mécréants, chose qu'ils ne reconnaissaient pas ici-bas. Ils ne connaissaient pas la valeur des prophètes. Non. Or, ce jour-là, les gens seront en face de leur réalité et ils sauront que les prophètes ont la place la plus haute et la place la plus proche auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, tout naturellement, ils iront demander l'intercession auprès d'eux, afin de hâter le jugement. Non pas de les délivrer d'un mal ou de lever leur angoisse, mais plutôt de hâter le jugement, car cette attente sera interminable pour eux. Alors bien sûr, ceci nous amène tout naturellement à lundi, au hadith de l'intercession, que les savants appellent communément hadith ush-shafa'ati al-uzma, le hadith de la grande intercession.
Ce hadith-là est rapporté par plusieurs versions. Certaines, ou la plupart, sont authentiques. Certaines sont faibles au regard de la chaîne de transmission. Mais alhamdoulilah, je m'en suis tenu qu'aux hadiths qui sont authentiques. Donc, après cette longue attente qui sera insupportable, les gens viendront voir les prophètes et iront voir Adam. Le premier réflexe qu'ils auront sera d'aller voir Adam au regard de sa place auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son statut de premier homme qu'Allah a créé tabaraka wa ta'ala. Alors ils iront voir Adam, puis ils lui diront Anta Abu al-Bashar, et ils le loueront par toutes sortes de qualités qui au final reviennent à Adam dans la réalité, et ils lui diront Ya Adam Anta Abu al-Bashar Amar Allahu الملائكة أن يسجدوا لك وخلقك الله بيدي الله تكريه de ses deux mains et il a ordonné aux anges de se prosterner devant toi là, etc. Toutes les choses par lesquelles se qualifie Adam. Alors lorsque Adam entendra tout ceci, il va dire cette phrase alayhi salam, il va dire Lasbula, je ne peux rien faire pour vous et cette intercession n'est pas pour moi. Lasbula. Puis il dira Inna Rabbi ghadiba al-yawma ghadiban, Inna Rabbi ghadiba al-yawma ghadaban, lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu. C'est-à-dire mon Seigneur aujourd'hui s'est mis en colère, d'une colère terrible, une colère dont il ne s'était jamais mis en colère auparavant et après laquelle il ne se mettra jamais plus en colère aussi ou de cette force-là. Nafsi, nafsi. Donc il dira, ou il appellera à son propre sauvetage. Idhabu ila Nour, allez voir Nour. Alors les gens iront voir Nour, alayhi salam, ils lui diront, Inna Allah wasafaka bi annaka abdul shakur. Allah t'a qualifié d'être un serviteur reconnaissant, effectivement. Allah tabaraka wa ta'ala a qualifié Nour dans le Coran de Abdul Shakur, c'est-à-dire un serviteur très reconnaissant. Alors, Nour leur dira, certes, mon Seigneur s'est énervé, mis en colère aujourd'hui d'une colère incomparable, colère dont il ne s'était jamais mis en colère auparavant comme ceci, et dont il ne se mettra plus jamais en colère comme ceci après ce jour-là. Puis il a dit, j'avais da'wa, j'avais une invocation et je l'ai faite contre mon peuple. Non. Effectivement, lorsque Nour a demandé à ce que son peuple périsse, non. Et au final, Allah a exaucé et l'a sauvé lui et les croyants et a fait périr tout son peuple. Il a dit, j'ai peur que ceci me soit préjudiciable. Nafsi, nafsi. Je n'ai que mon propre compte à m'occuper. Allez voir Ibrahim. Alors il partit voir Ibrahim. Et ils dirent Anta Khalilullah, Anta Khalilullah fil ard. Et donc tu es l'ami intime d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et tu es le grand prophète d'Allah. Intercède auprès d'Allah pour nous afin qu'il acte le jugement. Alors Ibrahim dira certes, j'ai menti trois fois. Et à cause de ceci, je ne sais pas si mon Seigneur me pardonnera. Et mon Seigneur s'est mis encore en colère aujourd'hui, comme il ne s'est jamais mis en colère auparavant, et comme il ne se mettra jamais en colère après ce jour-ci. Là, allez voir Moussa. Quels sont les trois, entre guillemets, mensonges d'Ibrahim, desquels il a peur qu'il lui soit préjudiciable le jour du jugement? C'est lorsqu'il a vu les étoiles et qu'il a dit « Hada Rabbi ». Puis lorsqu'il a vu que les étoiles ont disparu et que la lune est apparue, il a dit « Hada Rabbi ». Puis lorsque la lune a disparu et que le soleil est apparu, il a dit « Hada Rabbi » une troisième fois. Bien sûr, ceci n'est pas par croyance, ce n'est pas une croyance qu'a dit Ibrahim, mais c'était pour faire raisonner son peuple qui adorait justement les étoiles. Ça, c'était la première chose qui gênait profondément Ibrahim. La deuxième chose, c'est lorsqu'il avait cassé les idoles dans le temple. Puis lorsque son peuple est revenu
Il a dit, ils ont dit, qui a fait ceci? Et Ibrahim leur a répondu, c'est la plus grande d'entre elles, demandez-leur, ou plutôt, c'est la plus grande d'entre elles qui était là, demandez-lui si vraiment elles peuvent parler. Et la troisième, c'est lorsque il a vu les étoiles, il a dit, Fa'idni Saqib, c'est-à-dire, je suis malade. Donc ces trois paroles d'Ibrahim ne sont pas en fait des mensonges, ce sont juste des moyens pour pouvoir faire raisonner les gens. Voilà. À la Kulihal, Ibrahim a plaidé pour sa propre cause et a orienté les gens à partir vers Moussa. Lorsqu'ils iront vers Moussa, ils le qualifieront par les qualificatifs par lesquels Allah l'a qualifié tabaraka wa ta'ala dans le Coran en lui disant « Anta Nabiullah, faddalakallahu bi risalati wa bi kalami » Allah t'a préféré aux gens par son message et par sa parole. Effectivement, Moussa alayhi salam jouit d'une chose que peu de prophètes jouissent, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a parlé de vive voix, wa kallamallahu Moussa, et Allah a parlé à Moussa de vive voix. Malgré tout ceci, Moussa dira la même chose que ses prédécesseurs. Alors, il les orientera vers Issa. Et lorsqu'ils iront vers Issa, ils lui diront « Anta Rasulullah, wa anta kalimatuhu al-tawha ila mariyama wa rohubi » Tu es Moussa, et tu es la parole qu'il a insufflée à Maryam, et tu es un esprit venant de lui. Issa, tu es la parole qu'il a insufflée à Maryam, et un esprit venant de lui. Et tu as parlé aux gens alors que tu étais dans le berceau. Wa kallamta an-nasa fil mahdi. Alors Issa dira effectivement la même chose que ses prédécesseurs. Et il orientera les gens vers le prophète en disant « Lastulaha, lastulaha. Cette intercession n'est pas pour moi, je ne peux rien faire pour vous. » Les gens iront voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a dit à cet effet, alors qu'il était avec ses compagnons, « Ana sayyidu waladi Adam walafah. » Je suis le meilleur des êtres humains, je suis le meilleur des fils d'Adam, et ceci sans me vanter, sans vantardise. Ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamati walafah. Biyadei liwa'ul hamd. Biyadei liwa'ul hamdi. Walafah. Et entre mes mains, il y a l'étendard de la louange. Ma min nabiyyin yawm idin min Adam. Faman siwa'u. Il n'y a pas un prophète ce jour-là qui sera sous mon étendard. Et je suis le premier par lequel se fondra la terre, c'est-à-dire qui sera ressuscité au bout de la deuxième souffle de ma trompe. Pour toutes ces paroles-là, bien sûr, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des prophètes, et ceci à l'unanimité des savants et des musulmans. Et il jouit de choses que les autres prophètes n'ont pas reçues. Alors, lorsqu'ils iront voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigera vers le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et à ce moment-là, Allah lui ordonnera de se prosterner. Et il se prosternera de longues heures, quand je dis des heures, un long moment. Et Allah, à ce moment-là, lui apprendra, lui enseignera des louanges qu'il ne connaissait pas avant. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à ce moment-là, je louerai Allah par des louanges qu'il m'apprendra ce jour-là. Donc il louera Allah par des louanges qu'il ne connaissait pas avant. Jusqu'à ce que Allah, tabaraka wa ta'ala, lui dira, « Ya Muhammad, irfa'a raksaka, wa sal tu'ta, wa shaffi'a tu shaffa'a. Oh Muhammad, relève ta tête. » Et demande, il te sera donné, et intercède, et cette intercession te sera accordée. Et demande, il te sera donné. Alors à ce moment-là, bien sûr, le prophète demandera qu'on date le jour du jugement. Ici, il y a une remarque très importante à faire. C'est que dans les hadiths qui parlent de ce grand, de cette shafa'a, shafa'at al-uzma, la grande intercession, vous allez voir que jusqu'à là, quand vous prenez par exemple le hadith de Bukhari, tout ce que je vous ai cité là, vous le retrouvez dans la première partie du hadith. Puis il y a une deuxième partie du hadith qui parle de l'intercession dont va bénéficier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou d'autres il va faire bénéficier les autres lorsqu'il fera sortir les croyants du feu de l'enfer.
hein, notamment les croyants qui auront fait des grands péchés. Alors, quelqu'un qui n'est pas averti et qui lit le hadith comme ça, il ne va pas faire forcément la corrélation entre ces deux événements qui sont bien distincts. Là, et qui n'ont pas de lien chronologiquement parlant. Car l'intercession par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou par laquelle Allah fera sortir les gens de l'enfer, ceci surviendra bien après. Or, dans le hadith, on a l'impression que ceci vient tout de suite après ce que je vous ai raconté. Alors ceci pour une bonne et simple raison, comme l'a expliqué Bahad et autres, c'est que les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils rapportaient ce hadith de l'intercession, ils avaient en tête, entre autres, de réfuter sur Khawarij ou Al-Mu'tazila. Deux sectes qui avaient pignon sur rue, comme on dit, ou qui avaient une certaine notoriété à l'époque, hein, et qui égaraient les gens avec leurs idées. Entre autres, parmi leurs croyances, c'est qu'ils ne reconnaissaient pas l'intercession pour les gens, les croyants qui font des grands péchés. Puisque dans leur croyance, toute personne qui meurt sur les grands péchés s'éternisera en enfer. Vous avez compris? Donc ils sont amenés à rejeter ce genre de hadith. Alors, les savants, parmi les dernières générations de compagnons, comme Anas ibn Malik, parmi les premières générations de Tabi'in ou Atba'i Tabi'in, lorsqu'ils rapportaient le hadith, ils faisaient la corrélation entre le hadith de Shafa'at al-Uthma, tout ce que je vous ai cité là, et ils interposaient justement des paroles du prophète concernant l'intercession qui aura lieu plus tard et qui concerne celle-là, celle des grands pécheurs ou des croyants qui feront des grands péchés et qui sortiront de l'enfer par l'intercession du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin de réfuter sur ces gens-là. Vous avez compris? Non. Ceci pour recadrer un petit peu les hadiths qui se trouvent dans les deux authentiques et autres. Alors, là, bien sûr, là, je vous ai parlé de Shafa'at al-Uthma, il est important de s'arrêter sur Shafa'at. Al-Shafa'at, les frères, qu'est-ce que signifie Al-Shafa'at? Al-Shafa'at, ça signifie, en fait, prendre un intermédiaire entre toi et ton interlocuteur, là, afin qu'il te préserve d'un mal ou alors qu'il te rapporte un bénéfice. Là, الشفاعه اتخاذ الوسيطه بينك وبين من او بين مخاطبك لجلب المنفعه او لدفع المضره. نعم, si tu prennes un intermédiaire soit pour te préserver d'un mal soit alors pour te ramener un bénéfice. Alors dans cette dunya, dans cette vie d'ici-bas, l'intercession elle est permise, elle est permise, mais qu'avec les vivants. Là, on n'a pas le droit d'intercéder ou de demander l'intercession des morts. Ceci relève du polythéisme majeur. Là, mes frères, c'est un péché qui est très grave. D'ailleurs, la personne qui meurt sur cette croyance-là ou en faisant ceci, il s'éternisera en enfer. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. » Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Parmi les formes d'association, il y a le fait de demander l'intercession des morts. Comme ceci est très fréquent dans les pays du Maghreb, en Afrique, dans les pays d'Asie, au Pakistan, en Inde, en Malaisie, en Indonésie, dans tous les pays musulmans pratiquement, mis à part certains qui sont épargnés par ceci, qui peuvent se compter sur les doigts d'une seule main, mais d'une manière générale, c'est un fléau qui touche le monde entier et tous les pays musulmans. Dans l'intercession des morts, ceci est strictement interdit. Et je vous mets en garde contre ceci, malheureusement, fait compte. Et mettez en garde, si vous voyez des gens de votre famille qui font ce type de shirk, mettez-les en garde. Ceci est de votre devoir de les informer, de les orienter, de les avertir de la gravité de ce qu'ils font. Là. Donc, on ne demande pas l'intercession des morts. C'est strictement interdit. Et d'ailleurs, c'était une forme de polythéisme que pratiquaient les koufars de Quraysh. C'est pour ceci que Allah tabaraka wa ta'ala à conditionner l'intercession par trois conditions. Hein, pour que l'intercession soit valide auprès d'Allah, il faut remplir trois conditions nécessaires. Premièrement, il faut l'autorisation d'Allah, al-idn, l'autorisation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si Allah ne t'a pas autorisé à prendre un tel comme intercesseur,
alors tu tombes inexorablement dans le grand polythéisme. Un. Deux, il faut que toi, tu sois agréé auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est-à-dire que tu sois un croyant sur le tawhid. Ça, c'est la deuxième chose. Le mushrik ne peut pas bénéficier ou ne peut pas demander l'intercession de quelqu'un. Son intercession sera rejetée. Et enfin, la troisième condition, il faut que celui à qui tu demandes l'intercession soit aussi agréé auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est-à-dire qu'il soit un croyant à part entière. Là, car Allah aussi ne donne pas au mushrik, au mécréant ou à l'associateur le droit d'intercéder pour un croyant ou pour un non-croyant. Là, mes frères, c'est trois conditions. D'ailleurs, alors je vous disais que ce type d'adoration-là était fréquente au nom du prophète. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala, ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا شفعاؤنا عند الله. Je reprends le verset. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peuvent ni leur nuire ni leur profiter. Et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Regardez bien ces versets. Allah fait la corrélation directe entre l'adoration et le fait qu'ils ont pris ceci comme des intercesseurs. Et à la fin du verset, il dit quoi ? Ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Tout ça pour nous dire que l'intercession des morts, ou des idoles, ou des arbres, ou des pierres, tout ceci sous des formes de shirk majeur, des adorations à part entière. Et si elles sont adressées à autre qu'Allah, bien sûr, elles sont non seulement vaines, caduques, sans valeur, et en plus de ça, elles causeront la perte de celui qui les commet dans le feu de l'enfer éternel. Donc, l'intercession des morts est interdite dans ce pays-là. Par contre, l'intercession des vivants est permise. Non. Par exemple, on peut demander l'intercession de quelqu'un pour X raisons, non. Pour un bien, ou alors pour nous préserver d'un mal. Donc, tant que ça reste dans le cadre de la législation divine, ceci est permis. Et bien sûr, ce type d'intercession entre les créatures, elle est de deux sortes. Ou bien, c'est une intercession qui est bonne, shafa'atun hasana, ou alors une intercession qui est mauvaise, shafa'atun sayyi'a. À cet effet, Allah dit tabaraka wa ta'ala, man yashfa' shafa'atun hasanata, yakun lahu nasibun minha. وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا. Celui qui intercédera d'une bonne intercession, alors il aura une part de récompense dans celle-ci. Quant à celui qui intercédera d'une mauvaise intercession, alors celui-là aura une part de péché sur lui. Qu'est-ce que veut dire ceci? La bonne intercession, c'est quand tu prends des moyens légiférés pour aider ton frère à entreprendre ce qu'il a envie d'entreprendre, hein, ou alors de le préserver d'un préjudice qui pourrait le toucher. Alors que la mauvaise intercession, c'est lorsque tu vas intercéder en sa faveur, soit en utilisant des moyens illicites, soit alors en utilisant des moyens licites, mais tu vas intercéder en sa faveur pour que lui, il fasse du mal, ou que lui, il fasse des péchés. Bref, tu vas l'inciter à faire le haram. Non, mes frères ? Ça, c'est l'intercession dans cette vie-là. Maintenant, là, ce qui nous intéresse ici dans notre cours, c'est l'intercession dans l'au-delà. Et là, bien sûr, on est sur d'autres critères. Non. Les types d'intercession, elles sont nombreuses. Non. Pour toute personne qui reprend les textes religieux du Coran, de la Sunna, on voit plusieurs formes d'intercession qui surviendront le jour du jugement. La première, c'est celle qu'on a vue brièvement aujourd'hui, ce qu'on appelle Shafa'atul Uthma, la grande intercession. C'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder en faveur non seulement des croyants, mais de toute l'humanité entière, là, et pas seulement l'humanité, même les djinns aussi qui sont dans la tente. Il va intercéder pour les ta'jili al-hisab, ou les raf'i al-kuram, pour lever les angoisses et pour hâter le jugement. Là, comme nous l'avons expliqué. Ça, c'est un. Deuxième type d'intercession, qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme la première, c'est l'intercession que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fera
en faveur des croyants qui auront fait un séjour en enfer à cause des grands péchés qu'ils auront fait. Donc le prophète, qu'est-ce qu'il fera? Il demandera à Allah tabaraka wa ta'ala de les faire sortir. Et ceci nous le verrons inchallah en détail dans un prochain cours. Allah leur demandera de les faire sortir et au final Allah tabaraka wa ta'ala acceptera l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est une réfutation bien sûr pour certaines sectes de l'islam comme le Khawarij ou comme le Mu'tazila qui ne reconnaissent pas justement ce type d'intercession car pour eux, toute personne qui meurt sur les grands péchés s'éternisera en enfer. Là. Le troisième type d'intercession, c'est pour des gens, et ça elle est spécifique aux prophètes aussi, pour des gens qui doivent rentrer en enfer à cause de péchés, et là on parle des croyants bien sûr, et au final le prophète intercédera en leur faveur afin qu'ils n'y entrent pas. Là. C'est-à-dire en amont justement du fait qu'ils vont rentrer en enfer, le prophète intercédera et Allah tabaraka wa ta'ala les empêchera de rentrer en enfer par l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il fasse rentrer au paradis des gens sans s'en rendre de compte et sans être châtié. Là, shafa'atu nabi sallallahu alayhi wa sallam bi ashabin yadkhuluna al-jannata bi ghayri hisabin wa la 'adab. Allah tabaraka wa ta'ala an yaj'alana minhum. Aussi, parmi les intercessions qu'on peut trouver, l'intercession, et celle-là elle est spécifique au prophète, envers son oncle Abi Talib, là, qui, je vous le rappelle, est mort dans la mécréance. Le prophète intercédera en sa faveur afin de lui alléger le châtiment. Non pas pour le faire sortir de l'enfer, car ceci lui est interdit, mais pour lui alléger le châtiment. Et le prophète avait dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Laula ana, la kana fit darkil asfali min al-nar. » Si ce n'était pas, sous-entendu, mon intercession, il serait au plus bas fond de l'enfer. Alors, avec l'intercession du prophète, c'est « Yakulu fil tahtahin, yurla bihi dima'u. » Yurla bihi dima'u. C'est-à-dire, il sera dans une mare, là, les pieds dans une mare d'eau bouillante qui est tellement chaude qu'elle fera bouillir son cerveau. Ça aussi, la matière de Rafi. Aussi, parmi l'intercession qui sont restrictives au prophète, l'intercession pour que les croyants rentrent au paradis, nous verrons ceci en détail, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'ils seront en amont du paradis, et à ce moment-là, ils seront dans l'attente de rentrer au paradis jusqu'à ce que le prophète intercède et demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'on ouvre les portes du paradis afin d'y laisser entrer les croyants. Voilà ce que vous pouvez dire sur les types d'intercession. Nous reviendrons inchallah sur le déroulement de ces intercessions, quand est-ce qu'elles surviendront et comment elles surviendront. Aussi, parmi les choses qu'il est important de connaître concernant l'intercession, c'est que chez les musulmans, il y a trois types de croyances vis-à-vis des intercessions. Il y en a une qui est juste, c'est la croyance des gens de la sunna. Et il y en a deux qui sont fausses, c'est les gens des extrêmes. Soit ceux qui exagèrent, soit ceux qui font preuve de laxisme. Alors ceux qui exagèrent, ce sont ceux qui demandent l'intercession de tout le monde. Des morts, des vivants, des prophètes, des non-prophètes, des djinns, bref. Il demande l'intercession des morts, de toutes ces choses-là, et Allah tabaraka wa ta'ala, et ça c'est le verset que je vous ai cité, a strictement interdit ceci. Allah dit tabaraka wa ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, wa yakuluna ha'ulai shufa'auna 'indallah. Donc ceci est interdit bien sûr, et relève du shirk akbar, du grand polythéisme. La deuxième, ou l'autre extrême, à l'opposé, ce sont bien sûr Khawarij et Mu'tazila qui eux ne voient aucune intercession et qui justement rejettent cette intercession des gens qui feront des grands péchés. Entre les deux bien sûr, ala minhaj al-wasat. Il y a dit l'islam dit le wasat, comme a dit Allah tabaraka wa ta'ala, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Al-wasatiyya. C'est-à-dire la voie de juste milieu qui caractérise les gens de la sunna et la voie des salaf, minhaj al-salafi. Et cette voie-là, elle est toujours une voie de juste milieu. Entre
ceux qui exagèrent et ceux qui font preuve de laxisme. Alors, les gens de la Sunna reconnaissent les intercessions dans le Coran et dans la Sunna qui ont été légiférées et acceptées, éprouvées. Et ils rejettent celles qui ont été rejetées par Allah et son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. On reprend le hadith de l'imam al-Bukhari, le grand hadith que je vous ai cité, et je vous ai dit qu'à la fin de ce hadith, il y est fait mention pour ceux qui veulent récupérer ce hadith sur le hadith numéro 7515, Sahih al-Bukhari. À la fin de ce hadith, justement, il est fait mention du fait que Allah octroiera au prophète cette intercession par laquelle il fera sortir Ashab al-Kaba'ir, les gens des grands péchés parmi les croyants. Et à quatre reprises, Allah tabaraka wa ta'ala, à quatre reprises, Allah tabaraka wa ta'ala va réitérer et va faire honneur au prophète en lui disant de faire sortir les gens d'Ashab al-Kaba'ir. Ceci, bien sûr, ouvre une porte d'espoir et doit nous forcer à ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, car nous faisons des péchés jour et nuit, malheureusement. Non. Premièrement, Allah dira au prophète, أخرج من في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. Fais sortir toute personne qui a dans son cœur le poids d'un grain d'orge dans le cœur. Là, deux fois. Deuxième chose, Allah dira au prophète, إنتلق فأخرج من كان في قلبه ضبرة عفوًا وخردل من إيمان. Fais sortir de l'enfer toute personne qui aura le poids d'un grain de foi dans le cœur. Troisième chose, Allah dira au prophète, fais sortir celui qui a la plus petite partie d'un poids, d'un grain de moutarde dans le cœur. C'est le prophète qui dit, non. Allah dira au prophète, je t'ordonne d'intercéder, donc va faire sortir, là, après mon accord, après mon autorisation, tous ceux que tu verras comme ça. Là. Et Allah dira, celui qui a la plus infime partie de la plus infime partie de la plus infime partie, trois fois, adda min adda min adda, mithqala habbatin min khardalin min iman. Et la quatrième fois, Allah dira, fais sortir toute personne qui dira la ilaha illallah. Allah voit. Taïb. Quels sont les actes qui permettent à la personne de bénéficier de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Premièrement, la sincérité, l'ikhlas. La personne soit sincère dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'il fait, dans toutes ses démarches, dans ses actes d'adoration, dans sa vie de tous les jours. Il est sincère, il recherche la face d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le compagnon lui a demandé, « Man ahakkun nasi bi shafa'atika ya Rasulullah » Quelle est la personne la plus en droit, qui sera la plus heureuse dans le fait qu'elle bénéficiera de ton intercession? Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Celui qui dira la ilaha illallah, son cœur rempli de sincérité. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari sous le numéro 99. Aussi, parmi les choses qui feront que la personne bénéficiera de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari sous le hadith numéro 614, où le prophète a dit, toute personne qui dira après l'adhan, Allahumma hadihi da'wati tamma wa salatu al-qa'ima, ati Muhammad al-wasilata wal-fadila, wa ba'athu lahu al-maqam al-mahmoud al-ladhi wa'adta, innaka la tukhlifu al-mi'ad, bien que innaka la tukhlifu al-mi'ad ne fait pas partie du hadith Bukhari, mais il vient dans une autre version. Donc toute personne qui fera cette dora après l'adhan et l'iqama, celui-là, bien sûr, le prophète a dit « Hallat lahu shafa'ati ». Il bénéficiera ou il sera en droit de bénéficier de mon intercession. Aussi, parmi les choses par lesquelles la personne bénéficiera de l'intercession du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est les invocations du matin et du soir en priant sur le prophète, en adressant les salutations et les prières sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, 10 fois le matin et 10 fois le soir. Car le prophète a dit, celui qui fait ceci, il bénéficiera de mon intercession. C'est un hadith rapporté par l'imam al-Tabarani avec une chaîne de transmission authentique. Nous reviendrons, inshallah, sur toutes ces formes d'intercession au moment voulu, inshallah. Par la suite,
Donc, lorsque Allah Tabarak wa Ta'ala dira au prophète sallallahu alayhi wa sallam de relever sa tête et de demander justement ce qu'il veut, alors le prophète demandera qu'on hâte le jugement, al-fas, wal-hisab, wal-jaza. Et à ce moment-là, rentrera bien sûr le jour des comptes. Yawm al-hisab, yawm al-jaza, yawm al-din, le jour de la rétribution. On appelle en arabe al-hisab, yawm al-hisab, c'est un terme que vous retrouvez dans le Coran et dans la Sunna. Le jour où Allah fera comparaître les serviteurs devant lui afin de répondre de leurs actes de cette vie d'ici-bas. Et Allah tabaraka wa ta'ala leur fera attester des actes, des paroles qu'ils auront commis ou proférées dans cette vie-là, dans cette vie d'ici-bas. À savoir, s'ils étaient sur la mécréance ou sur la foi, dans la désobéissance ou dans l'obéissance, dans l'égarement ou dans la droiture, dans le polythéisme ou sur le tawhid. Ceci comprend aussi, dans le hisab, la récompense promise aux croyants et le châtiment qu'Allah a préparé pour les mécréants. La remise des livres, la balance, le pont qui sera dressé sur le feu de l'enfer et aussi les intercessions. Parmi les formes de compte, parmi les formes ou parmi les formes de jugement qu'il y aura de ce jour-là, il faut savoir que le jugement d'un croyant ne sera pas comme le jugement d'un mécréant. Et le jugement de quelqu'un qui était pieux ne sera pas comme le jugement d'un croyant qui était plongé dans les péchés. Chacun selon ce qu'il aura préparé et devancé. Alors il y aura pour certains un compte difficile, pour d'autres un compte facile, pour d'autres le compte sera comme une mise en valeur, notamment pour les prophètes et les messagers, il y a hisab ou takrim. Pour d'autres ce sera un blâme, taubih ou takri'a. Pour d'autres ce sera des pleurs, pour d'autres ce sera pardon et mansuétude. Voilà. Donc tout dépend de la personne. Chacun vivra sa propre destinée et aura son propre compte ce jour-là. Allah Tabaraka wa Ta'ala, le Coran al-Karim, nous évoque, nous rappelle beaucoup d'événements, beaucoup de situations qui auront lieu le jour du jugement. Allah dit Tabaraka wa Ta'ala, Inna alayna, inna ilayna, c'est vers nous que sera leur retour et c'est à nous qu'incombe de leur rendre des comptes, ou plutôt de leur demander des comptes à voix. Puis plutôt c'est à nous de leur demander des comptes. Alors, Allah dit tabaraka wa ta'ala, wa ashraqati al-ardu bi nuri rabbiha. Wa wudi'a al-kitab wa ji'a bin nabiyyin wa shuhada'i wa qudiya baynahum. Et la terre, ce jour-là, resplendira de la lumière de ton Seigneur et on posera les livres, wa wudi'a al-kitab, et on fera venir les prophètes et les martyrs et on jugera parmi eux, ou on jugera entre eux. Le seul juste ce jour-là sera Allah, tabaraka wa ta'ala. Et Allah viendra, fayatillahu tabaraka wa ta'ala, les fasl, aw liyaqdi baynahum. لذلك اليوم العظيم وكذلك تجيء الملائكة صفا صفا. Allah viendra tabarak wa ta'ala d'une venue qui convient à sa bienséance Jalla wa Ala pour juger entre les créatures, puis les anges viendront à leur tour en rang qui devront comparaître devant Allah tabarak wa ta'ala en ramenant les livres de chacun des serviteurs dans lesquels sont compilées toutes les bonnes actions et toutes les mauvaises actions. Puis viendra après eux les prophètes et les messagers aussi en rang et ainsi de suite. Et tout le monde comparaîtra devant le Seigneur Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah dit à cet effet, هَلْ يَنْدُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ذُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ أَوْ الْمَلَائِكَةُ وَقُدِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Ou bien attend-il qu'Allah ne vienne
fi dhulalin min al-ghamam, c'est-à-dire à travers le ciel, wal malaikatu, ainsi que les anges, et il sera jugé entre eux, et c'est vers Allah que revient toute chose. Les anges se présenteront devant le tout miséricordieux, tabaraka wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de ces livres dans lesquels sont consignés l'ensemble des actes des créatures et des serviteurs. وَوُدِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et le jour où les livres seront posés, et tu verras les criminels malheureux, مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, de ce qu'ils trouveront dans ces livres, et diront: malheur à nous, voilà un livre qui n'a rien laissé derrière lui. Il a tout consigné. Les petites choses, les choses infimes, ainsi que les grandes choses. Là. Puis, on demandera aux prophètes et aux messagers de répondre du dépôt qui leur a été confié, c'est-à-dire de la transmission du message. Là. A-t-il été bien transmis? Ont-ils bien transmis ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a ordonné de transmettre? Là, ils devront répondre eux aussi devant Allah tabaraka wa ta'ala. Puis Allah fera venir des témoins, al-ashhad, là, derrière eux, parmi les anges, les prophètes, les savants aussi viendront témoigner. La terre, le ciel viendra témoigner, les jours et les nuits. Tout ceci viendra témoigner en faveur ou en défaveur des serviteurs. Là, tout le monde sera encore ce jour-là. وَعُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, et ils comparaîtront devant ton Seigneur en rangée. Et les criminels qui seront à l'arrière viendront aussi habillés avec des vêtements de goudron. Al-Qataran. Allah dit tabaraka wa ta'ala: وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ بِالْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ. Et si tu voyais les criminels ce jour-là enchaînés dans des liens, dans des chaînes, et leurs vêtements seront faits de qataran. Al-qataran, les frères, c'est une sorte de goudron, et c'est ce qu'on utilisait pour panser les plaies des chameaux. Là. Avant de rentrer, Inch'Allah, dans la chronologie des événements sur le compte, la balance, les livres, les registres, je voulais soulever une petite problématique, Inch'Allah, afin d'enlever toute ambiguïté. Allah tabaraka wa ta'ala a promis, a menacé, et sa menace, Inch'Allah, sera mise à exécution sur ceci, que tout mécréant, toute personne qui meurt sur la mécréance, s'éternisera en enfer. Hein, mes frères? Or, nous voyons que ces mêmes mécréants-là, ce jour-là, seront questionnés. Alors les savants se posent la question: à quoi bon questionner les mécréants puisque leur destination finale sera l'enfer? Alors que pour les croyants, ceci est tout à fait concevable. C'est-à-dire qu'ils seront questionnés, leurs actes seront pesés sur la balance afin d'évaluer quoi? Leur degré au paradis. Là. Ou alors de peser leurs bonnes actions et leurs mauvaises actions, et au final, de les faire rentrer au paradis, ou alors qu'ils fassent un stage en enfer, et pour qu'au final, ils sortent de l'enfer. Pour les croyants, c'est tout à fait concevable. Pour les mécréants, on sait très bien qu'ils n'iront jamais au paradis. Alors, à quoi bon peser leurs actes? À quoi bon les interroger? À quoi bon les faire comparaître devant Allah, tabaraka wa ta'ala? Les savants se sont posés ces questions. Alors, on va essayer déjà de faire le tri dans tout ça. Le khilaf, cette divergence, bien sûr, a été à des dates. Elle date de très longtemps. D'ailleurs, Cheikh Al-Islam lui-même rappelle que les savants divergent sur ce sujet-là, et il a rappelé justement toutes les divergences sur ce sujet. Alors, ce qui apparaît au regard des textes religieux, c'est que ce qu'il y a de plus juste, c'est que non seulement les mécréants seront questionnés sur les crimes qu'ils ont commis dans cette vie-là, et parmi le plus grand, leur mécréance. Deuxièmement, ils comparaîtront devant Allah, tabaraka wa ta'ala. Troisièmement, leurs actes seront pesés. Quatrièmement, ils recevront leur livre de la main gauche. Donc, ils subiront ce que subiront les croyants.
La preuve de ceci, c'est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Les preuves sont nombreuses, mais celle-là, elle est assez probante et assez parlante. Allah dit, tabaraka wa ta'ala, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. C'est le verset numéro 103 de Sourate Al-Mu'minun. Allah dit, tabaraka wa ta'ala, celui dont la balance sera légère, ceux-là seront ceux qui auront causé leur perte, leur propre perte, et qui s'éterniseront en enfer. Ce qui est important de comprendre dans ce verset, c'est la fin. Ils s'éterniseront en enfer. Donc, ceux qui sont concernés par l'éternité de l'enfer, c'est qui? Les mécréants. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit que leurs actes seront pesés, puisque leur balance ou la balance de leurs actions sera légère. C'est là, mes frères? Donc, on regarde ce verset et d'autres versets, nous disons que même les mécréants seront questionnés et leurs actes seront pesés. Alors, pourquoi? La question, c'est pourquoi tout ceci? Il y a plusieurs éléments de réponse. La première, c'est le fait de dire que Allah tabaraka wa ta'ala va, ce qu'on dit communément en arabe, yuqimu alayhim al-hujjata. Allah va leur imposer et leur rapporter justement al-hujja, l'argument. Quel est cet argument qu'Allah va leur imposer? C'est justement la vérité. Là, Allah va les mettre en face de la réalité et les faire témoigner contre eux-mêmes, à savoir, j'ai envoyé des prophètes, j'ai descendu les livres, là, et je vous ai appelé à la félicité et à ce par quoi vous pouvez vous préserver du feu de l'enfer. Voilà maintenant, l'argument est présent, qu'avez-vous à dire? Iqamatul hujja. À travers ceci, bien sûr, Allah tabaraka wa ta'ala leur montrera sa justice et son équité. Là, سيظهر عليهم عدله وعدله وإنصافه تبارك وتعالى. D'ailleurs aussi, il leur fera montrer leur registre afin qu'ils voient de leurs propres yeux l'ensemble de leurs mauvaises actions sous leurs yeux. Et ils diront, والله dit تبارك وتعالى, ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. C'est-à-dire, et nous poserons les balances de la justice ou de l'équité le jour du jugement, et personne ne sera lésé en rien, quand bien même il y aurait le poids d'un grain de moutarde, on le fera venir sur la balance et on le posera sur la balance. Et nous suffisons largement pour rendre des comptes, ou plutôt pour donner des comptes. Ou ici, rendre des comptes, c'est-à-dire le jugement de la balance. L'imam al-Qurtubi a dit que Allah questionnera sa création dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà afin d'affirmer que l'argument a été présenté et afin de manifester sa sagesse et sa justice. Ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, pourquoi les mécréants vont être questionnés, pourquoi leurs actes vont être pesés, pourquoi les registres devront être déployés, pourquoi on leur donnera le livre à main gauche, tout en sachant qu'ils iront en enfer. Deuxième élément de réponse, c'est qu'Allah va les juger afin de les blâmer et les réprimander devant tout le monde. Et Cheikh l'Islam justement va dans ce sens-là et il dit que les koufars n'ont pas de hasanat à faire valoir sur la balance. Là, ils n'ont pas de hasanat à faire valoir sur la balance. Alors pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala va peser leurs actes? C'est pour les réprimander et pour qu'ils aient la honte et l'ignominie devant tout le monde. Là, et c'est ça qui différencie le compte ou le jugement d'un mécréant d'un croyant. C'est une des différences. C'est que le jugement d'un croyant, d'un mécréant, il sera difficile et il sera aux yeux et à la vue de tout le monde. Là, comme pour le blâmer devant tout le monde au regard de ce qu'il a fait dans cette vie-là. Alors que le jugement d'un croyant, il sera entre lui et Allah. Personne ne saura
qu'il a fait tel et tel péché. Il n'y a que Allah qui le saura, tabarak. Ça, on le verra en détail, inshallah. C'est un hadith qui est magnifique, où Allah, tabarak, s'isolera avec chacun de ses serviteurs croyants. Et il les fera reconnaître leurs péchés jusqu'à ce qu'Allah, tabarak wa ta'ala, leur pardonnera l'ensemble de leurs péchés. Concernant les mécréants, leur jugement sera aux yeux et à la vue de tout le monde. وَبِّرُهُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيَلُوبُهُمْ عَلَانِيَةً. Alors, Allah dit tabaraka wa ta'ala, يَا بَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. C'est-à-dire, ô ensemble des djinns et des hommes, des messagers ne sont-ils pas venus à vous vous récitant mes versets et vous avertissant de la rencontre de ce jour-ci? Ils diront, nous témoignons contre nous-mêmes. Cette vie-là les a trompés. Ça, c'est une jumla i'tiradiyya, c'est-à-dire que ce n'est pas la parole des mécréants. C'est Allah qui interpose une parole entre la parole des mécréants, puisqu'ils diront, shahidna ala anfusina, ça c'est la parole des mécréants ce jour-là. Ici, Allah nous rappelle quelque chose. C'est-à-dire, ils ont été trompés par cette vie d'ici-bas. Comme pour nous rappeler que ce qui les a emmenés à dire cette parole le jour du jugement, c'est le fait qu'ils aient été trompés par cette vie d'ici-là. Faites attention, ne tombez pas dans ceci. Hein? Puis ensuite, Allah reprend la parole des mécréants en disant, وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. Ils témoigneront sur eux-mêmes, hein, qu'ils étaient bien, qu'ils faisaient bien partie des mécréants. Troisième élément de réponse, c'est que les mécréants sont concernés par les fondements de l'islam, mais aussi concernés par ses ramifications. Je m'explique. Lorsqu'on parle des fondements de l'islam ici, on veut signifier la chose par laquelle la personne elle rentre dans l'islam, c'est-à-dire un shahadatan, les deux attestations de foi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Effectivement, toute personne qui ne témoigne pas de cette attestation-là, il peut faire la prière jour et nuit, il peut donner sa zakat jour et nuit, il peut jeûner toute l'année. Ça n'a aucune valeur auprès d'Allah, tabarak wa ta'ala. Car il n'a pas respecté la base de l'islam, il ne l'a pas validée. C'est-à-dire l'attestation que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah et que Mohammed est l'envoyé d'Allah. Alors, le fondement, c'est ça. C'est cette attestation de foi, ou ces deux attestations de foi. Ensuite, vient les actes d'adoration par la suite. Voilà ce qu'on veut signifier par Usul et Sharia, ou Furu' et Sharia dans ce sujet-là. Alors, lorsqu'on dit le jour du jugement, est-ce que le mécréant va être châtié pour sa mécréance seulement, pour le fait qu'il n'a pas attesté de ces deux attestations, ou alors il va être châtié aussi par le fait qu'il n'a pas prié, qu'il n'a pas jeûné, qu'il n'a pas fait le hajj, qu'il n'a pas fait tout ce qu'Allah lui a ordonné, ou alors qu'il a commis tout ce qu'Allah lui avait interdit. Les savants sont en divergence par rapport à ceci, mais la parole la plus authentique, c'est que les mécréants sont concernés par l'ensemble des actes, par l'ensemble des lois religieuses, des ordres d'Allah et des interdits d'Allah. À savoir que le jour du jugement, les mécréants, on leur sera ou on les blâmera à cause de la mécréance, mais on les blâmera aussi du fait qu'ils n'ont pas respecté tout ce qu'Allah a rendu obligatoire, comme la prière, comme la zakat, comme le hajj, comme le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan et toutes les choses que vous connaissez. La preuve de ceci, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a blâmé les mouchriquines par une chose qui ne leur est pas demandée de premier abord dans cette vie-là, c'est de donner la zakat. Allah dit tabaraka wa ta'ala, wa waylun lil mushrikeen alladhina la yutuna az-zakata. Malheur aux mushrikeen, aux polythéistes, ceux-là même qui ne s'acquittent pas de la zakat. D'ailleurs,
Imaginez qu'un mouchriquine dans cette ville-là s'acquitte de la zakat. Est-ce que ça fait de lui un musulman? Non. Ça ne fait pas de lui un musulman. Il reste mécréant. Non? Alors, pourquoi ce verset coranique est venu ici? Pour nous montrer que dans l'au-delà, ce mouchrik-là, il sera châtié pour le shirk qu'il faisait, là, et qu'il n'a pas voulu rentrer dans l'islam, mais il sera châtié aussi à chaque fois ou pour chaque fois qu'il n'a pas donné la zakat en temps voulu. Et à chaque fois qu'il n'a pas prié en temps voulu. Ceci va rajouter des mauvaises actions sur celles qui étaient déjà la sienne, c'est-à-dire sa mécréance majeure. C'est ça, mes frères? Voilà ce que veut dire. المشركون مخاطبون والكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها. Et aussi, lorsque les gens viendront, lorsque les gens verront d'autres dans l'enfer, ils leur diront: Ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui vous a conduit au feu de Saqar? Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ils vont répondre par des actes d'adoration que font les croyants, que ne font pas les mouchriquins d'habitude. Ils diront: Qalu lam nakum min al-musallin. On ne faisait pas partie de ceux qui priaient. Voilà, d'accord, le taïmoun miski, et on ne le donnait pas aux pauvres. Non, on ne nourrissait pas les pauvres. Wa kunna nakhoudu ma'al kha'idin. Et on polémiquait avec ceux qui polémiquent. Là. Ces choses-là, mes frères, est-ce que si la personne, elle les évite, elle rentre dans l'islam forcément? Non. Donc, ceci se rapporte à quoi? Se rapporte au jour du jugement. À savoir que Allah va châtier aussi les mouchriquins pour le simple fait qu'ils ne faisaient pas la prière, ou entre autres qu'ils ne faisaient pas la prière, qu'ils ne nourrissaient pas les pauvres, qu'ils faisaient toutes sortes de péchés et qu'ils n'ont pas obéi à Allah dans ce qu'il nous a ordonné de faire. Là, vous avez compris? Ça, c'est dans une considération dans l'au-delà. Ah ben, dans cette vie-là, bien sûr, on ne va pas voir un mouchriquin ou un kafir en lui disant: fais la prière. Non, on va l'appeler à l'islam d'abord. On va le faire rentrer dans l'islam afin que l'ensemble de ces actes d'adoration soit, Inch'Allah, valide, soit validé par son attestation de foi. Là, mes frères, allez. Donc, c'est un élément de réponse. C'est qu'Allah, tabarak wa ta'ala, va juger et va peser leurs actes au regard de ce qu'ils ont fait comme haram ou alors au regard du laxisme et des déficiences qu'ils ont, dans laquelle ils étaient vis-à-vis des actes d'adoration religieuse. Là. Donc, sur la balance de leurs mauvaises actions, il y aura quoi? En premier lieu, leur mécréance ou leur shirk. Un. Mais aussi, Allah va rajouter sur la balance de leurs mauvaises actions toutes les prières qu'ils n'ont pas fait à l'heure. Tous les mois de Ramadan qu'ils n'ont pas jeûné. Tout le hajj qu'ils devaient faire et qu'ils n'ont pas fait. Etc, etc, etc. Là, mes frères, salam salam wa ta'ala. Quatrième élément de réponse. Les degrés en enfer divergent suivant la nature des péchés et le nombre des péchés. Que ce soit pour les croyants ou que ce soit pour les mécréants. Là, elle fil jannati darajatun wa fil nari darakat. Dans le paradis, il y a des degrés, alors que dans l'enfer, il y a des fosses de l'enfer. Là, nous avions dit que Abdelkar allait. Sera dans les degrés ou dans les fosses les moins profondes de l'enfer. Alors que Shaitan et autres seront dans les plus bas fonds de l'enfer. Comme les hypocrites, comme Abu Lahab, etc. Tous ceux dont on a un texte qui nous prouve qu'ils seront dans les plus bas degrés de l'enfer. Donc, il y a des degrés. Comment ces degrés comment Allah tabaraka wa ta'ala va placer telle et telle personne dans les degrés, c'est suivant la nature des péchés et le nombre des péchés qu'ils auront commis. Non. Alors, l'imam al-Qurtubi dit, concernant les actes de la balance, ou la balance des mauvaises actions, des bonnes actions, des mécréants, il dit, soit on posera sur le plateau, et là on parle des mécréants bien sûr, soit on posera sur le plateau de leur balance la mécréance et les mauvaises actions d'un côté, et de l'autre côté, on posera leurs bonnes actions. Par exemple, ils ont lié les liens de parenté, ils nourrissaient les pauvres, ils respectaient le droit d'autrui. On peut considérer ça comme des bonnes actions. Au final, le poids de ça devant la mécréance et les péchés, elle est déjà toute faite. Hein? Ça n'a aucun poids. Il est clair et net que la balance de leurs mauvaises actions sera alourdie.
Ou alors, on posera sur le plateau de la balance, de leur balance, d'un côté la mécréance ou le shirk, là, qui sera une cause de leur éternité en enfer, et on posera aussi leurs mauvaises actions, et de l'autre côté, on posera quoi? Rien. Il n'y aura rien dans la balance de leurs bonnes actions. Pourquoi? Car Allah tabaraka wa ta'ala dit: wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Et nous avons exposé ce qu'ils ont avancé comme acte, et on en fera ce jour-là de la poussière éparpillée. Effectivement, tout acte devant le shirk comparable à de la poussière sur laquelle on souffle et qui s'éparpille dans le vent. C'est-à-dire qu'il ne reste plus rien au final. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Il t'a certes été révélé, ainsi que ceux qui t'ont précédé parmi les prophètes et les messagers, que si tu donnais un associé à Allah, alors l'ensemble de tes actes serait vain, sans valeur. Donc toute personne qui meurt dans le shirk, quand bien même il aura fait des actes de bien, ceux-ci n'ont aucune espèce de valeur auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et au final, il trouvera sa balance devant lui, d'un côté sa mécréance et ses mauvaises actions, de l'autre côté le vide, rien. Imaginez-vous, rien de l'autre côté. Qu'est-ce que tu vas avancer devant Allah ce jour-là, tabaraka wa ta'ala? Quelle excuse que tu vas avoir ce jour-là à présenter devant Allah, tabaraka wa ta'ala, alors qu'Allah t'a tout donné? Et il t'a donné les moyens de multiplier les bonnes actions. Aussi, Allah dit tabaraka wa ta'ala: wa la yus'alu an dhunubihim al-mujrimun. Et ce jour-là, on ne questionnera pas les criminels. Alors depuis tout à l'heure, je suis en train de vous dire que on te posera la question, on demandera compte aux mécréants. Et là, on a un verset où Allah nous dit tabaraka wa ta'ala, et ce jour-là, on ne demandera pas ou ne posera pas de questions aux criminels. Là. Alors, comment on répond à ce verset-là, à ceux qui vont dans ce sens-là? Premièrement, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala ne questionnera pas les criminels pour qu'ils se justifient. Quand on parle de criminels ici, ce sont les mouchriquis, les mécréants, sont les associateurs, ceux qui sont morts dans la mécréance, qui ont rejeté l'islam, la revers de la main. Allah tabaraka wa ta'ala ne questionnera pas les mouchriquins, les mécréants, pour qu'ils se justifient. Hein. Mais il les questionnera à titre de reproche et de blâme. C'est comme si je dis par exemple à quelqu'un qui a fait beaucoup de mal, je lui dis: pourquoi tu as fait ça? Là, moi, j'attends pas de réponse de sa part. C'est juste pour lui faire un reproche et le blâmer. Là, et pour qu'il se rectifie au final. Donc, ça sera, les questions seront de cette sorte-là, là, à titre de reproche. Pourquoi avez-vous agi de la sorte? Deuxième chose, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala aussi, lorsqu'il posera la question, ou lorsqu'il dit la yus'alu 'an dhunubihimul mujrimun, on ne posera pas la question ce jour-là aux criminels. C'est-à-dire que on ne leur demandera pas d'affirmer ce qu'ils ont fait, car Allah le sait déjà, tabaraka wa ta'ala. On ne leur demandera pas de dire, on ne leur posera pas la question: avez-vous fait ceci et cela, car Allah le sait déjà, tabaraka wa ta'ala. Troisièmement, le jour du jugement, il y a plusieurs événements dans le jour du jugement. À un moment donné, ça c'est au début, les gens n'auront pas le droit de parler. Les gens n'auront pas le droit à la parole. Ils se tairont. Puis, Allah tabaraka wa ta'ala, après un long moment, sur plusieurs années, Allah tabaraka wa ta'ala va leur donner la parole. Va leur donner le moyen de s'exprimer. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala, à ce moment-là, lorsqu'ils auront cette parole-là, ils diront: Rabbana abasir wa sabi'na farji'na na'mal saliha. Oh Seigneur, nous avons maintenant vu et entendu, fais-nous revenir afin que nous fassions de bonnes œuvres. Fais-nous revenir sur terre afin que nous fassions de bonnes œuvres. Puis ensuite,
Ils vont se disputer entre eux. Là, et Allah dit, ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنَّ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. Puis ce jour-là, auprès de votre Seigneur, vous vous disputerez. Vous rentrerez en querelle. Là. Puis ensuite, Allah leur dira, لَا تَخْتَصِمُوا وَقَدْ قَدَّمْتُمْ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ. Ne vous disputez pas devant moi, car ma menace vous a déjà été présentée. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que Yawm al-Qiyama, les gens ne seront pas toujours dans la même situation. À un moment, ils auront le droit de parler. À un autre moment, ils n'auront pas le droit de parler. À un moment donné, quand ils parleront, ils vont essayer de se justifier devant Allah. Ils vont essayer de sauver leur peau. À un autre moment, lorsqu'Allah va fermer cette porte-là, ils se querelleront les uns les autres et ils vont se jeter la pierre, comme on dit. C'est à cause de toi que je suis là. Là, ils invoqueront le malheur les uns envers les autres. Bref, il y a plusieurs événements et en matière. Donc, tout ça pourquoi? Pour dire que la yus'alu al-dolo bihimul mujrimoun, on peut dire que ce jour-là, à un moment donné, Allah ne leur demandera pas de s'expliquer. Puis après, Allah leur posera des questions. Là, à titre de reproche. Aussi, la yus'alu al-dolo bihimul mujrimoun, les anges, ce jour-là, reconnaîtront les croyants. Allah dit tabarak wa ta'ala يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Le jour où des visages s'éclairciront et d'autres s'assombriront. Quant à ceux dont les visages se noirciront ou s'assombriront, on leur dira avez-vous mécru après avoir eu la foi? Goûtez maintenant le châtiment au regard de votre mécréance. Quant à ceux dont les visages s'éclairciront, ils seront dans la miséricorde, ils rentreront ou ils seront sous la miséricorde d'Allah tabarak wa ta'ala pour y demeurer éternellement. Alors bien sûr, ce jour-là, les visages qui s'éclairciront, ce seront les visages des gens de la sunna. Comme l'a dit Ibn Abbas, radiallahu tabarak wa ta'ala anhu, yawma tabyaddu wujuhu ahli sunnati wa tabar. Les gens de la sunna et du groupe, c'est-à-dire les gens qui ont suivi le prophète et les compagnons du prophète dans toute la rectitude. Quant aux mécréants, leur visage sera noirci, reconnaissable. Donc les anges n'auront pas besoin de questionner ce jour-là, à savoir qui est mécréant et qui ne l'est pas. Ce jour-là, on n'aura pas besoin de connaître ou de demander les péchés des criminels, car on verra leur visage de loin noir comme le goudron. Voilà les frères, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, inshallah, en préface du cours prochain, où on rentrera, inshallah, dans la chronologie des événements du jour du jugement, à savoir la comparution devant Allah, tabarak wa ta'ala. Le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala va séparer les croyants des mécréants, Fattazu ayyuhal mujrimoun, séparez-vous, distinguez-vous. Donc il y aura les mécréants d'un côté, et il y aura de l'autre côté les croyants avec les hypocrites. Là. Puis à ce moment-là, les balances seront dressées, les livres seront déployés, ou les registres seront déployés. Et à ce moment-là, chacun devra répondre de ses actes devant Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qui aura reçu son livre de la main droite, alors celui-là sera dans les jardins du paradis pour y demeurer éternellement. Quant à ceux qui auront reçu leur livre de la main gauche derrière le dos, alors ceux-là, ce seront ceux-là qui auront causé leur perte pour demeurer en enfer éternellement. La salamata wa al-afiyah. Wa la salamata tabaraka wa ta'ala. أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقل رب زدني علماً.